Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter un peu mon trajet vélo taf. Nouveau format de vidéo pour tester. On va voir ce que ça donne et si je continue dans ce sens-là. N'hésitez pas à me faire vos retours. Allez, bon visionnage! Alors, pourquoi je prends pas la voie cyclable ici à gauche? Simplement parce que je roule là à 36. Et rouler à 36 sur les trottoirs, ça va pas. Rien, la moindre bordure, les piétons, les voitures qui tournent à gauche. Donc voilà, c'est beaucoup mieux ici. Je prends ma place sur la chaussée, c'est pas interdit. Allez, je roule aussi vite que les voitures. Donc on vient de pas me dire que les vélos ils gênent. C'est absolument faux et j'ai mis un beau cargo là-bas. On va le voir. Ouais. Super cargo, mec. Un piéton à gauche. On laisse passer. Vous étiez prioritaire donc. Encore un piéton à gauche et lui qui force, ça sert à rien. Allez-y, allez-y. La voici. Ah, un peu de jambes pièces, ça fait pas de mal. Hein. Alors vous me demandez sûrement pourquoi je me décale à gauche. Bah, c'est tout simplement pour montrer aux gens que si je me mets au milieu de la route, c'est pour les forcer à pas passer. Et voilà, parce qu'il y a des piétons tout simplement. Vous voyez, les gens ils forcent, ils font n'importe quoi. Et ouais, t'as un bus qui reste derrière. Là. Ah là là. Alors lui on va rester bien là parce qu'il va se mettre en droite. Voilà, c'est sûr. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Même le sas vélo est respecté. Ah ben voilà, en face, piste cyclable. Normal, toujours la même société. Aïe, aïe, aïe. Tous les matins, cette société là qu'on vient de voir, elle fait le même coup. Mais comme on a une municipalité ici qui fait rien, qui bloque les gens sur Twitter pour leur faire remarquer des choses, donc voilà ce que ça donne, impunité. Et les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et mettre en danger les cyclistes en particulier. C'est cool, les montignes. Ah bah pour une fois ça roule bien aujourd'hui, pas d'embrouille. On va voir là, le dernier passage chaud, c'est près de l'entrée de la base aérienne. Il y a deux ronds-points, les deux sont dangereux parce que les voitures veulent absolument passer, voilà un peu comme lui. Bravo. Tout ça pourquoi? Pour arriver au feu rouge en premier. Quel inutile. Voilà.
On se retrouve au même endroit. Bravo. Derrière, c'est bon, il est assez loin. Alors, est-ce qu'il va forcer pour passer? Bien souvent, la réponse est oui. Alors qu'il pourrait attendre d'arriver là-bas, il y a trois voies. Et que là, de toute façon, on n'aura pas le feu vert. C'est sûr qu'il vient de passer au rouge. Et voilà, il tente. Il tente. Oh putain! Sérieux? Allez, on va voir ce qu'il dit. Hein. Il n'y avait pas un mètre. Regardez, le feu est rouge. Le feu est rouge, vous attendiez 2 secondes, vous aviez la place pour doubler. 2 secondes. Il n'y avait pas un mètre, il n'y avait pas un mètre. Il n'y avait pas un mètre, tu fais 3 tonnes. Tu me renverses, je meurs. Il n'y avait pas un mètre, il n'y avait pas un mètre. Il ne peut pas s'arrêter, comme d'hab. Donc là, je me mets au milieu pour prendre ma position, parce qu'on va aller à gauche. Du coup, super dangereux, les voitures ici forcent à droite. Et pire, c'est la sortie là, à gauche. Alors souvent ici, les voitures me forcent, alors que je tourne ici. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt.